Bienvenue pour ce premier match de la phase de groupe de l'UEFA Champions League. Ça monte dans les tribunes alors que les acteurs font enfin leur entrée tant attendue. Le stade entier vibre au son de l'hymne de l'UEFA Champions League. Et le temps est venu de découvrir la composition des deux formations. Petite question rapide, qui sera le joueur décisif dans cette rencontre? Certainement Neymar. Il enchaîne les dribbles et les feintes si vite qu'il faut parfois les repasser au ralenti pour comprendre ce qu'il vient de faire. Oui, je crois que les défenseurs... Il frappe! Et pourtant, c'était un caviar au départ. Oui, cette passe était superbe. Il peut en vouloir à son coéquipier d'avoir manqué ça. C'est toujours encourageant de tirer les premiers, n'est-ce pas? Ça devrait les mettre dans de bonnes dispositions pour la suite. Bonne intervention, ça pouvait créer le danger. Luis Suarez! Il file dans l'axe! Valencia. Mkhitaryan. Il est bien la dernière personne qu'on veut voir rôder autour de sa surface. C'est un poison, c'est un véritable cauchemar de défendre sur lui. Voici Martial. C'est un beau ballon. Rashford. La passe était parfaite, c'est du gâchis. Ça démontre toute l'efficacité de ces ballons en profondeur. Tout ce qui manquait, c'est une meilleure finition. Voici Mkhitaryan. Repiqué dans l'axe, peut-être. Ça sent la frappe. Allez, ça doit faire but! Quel but! Oh, quel but! Tout est magnifique dans ce but! Ça va vite, oh, s'il lève la tête! Belle passe lobée sur l'aile. Un ballon de... Le coup de tête! Oh, quel bel arrêt! Ah oui, là, c'était magnifique. Oh, c'était pas loin. C'est un cauchemar pour les défenses. Et si on veut le marquer individuellement, eh bien, on prend le risque de laisser des espaces pour ses coéquipiers. Pour trouver la faille dans la défense. Plus que le gardien à battre. La frappe! Il est en bonne position pour centrer. Ce sera un centre. Un peu d'oxygène pour sa défense. Le ballon sort en touche. Ander Herrera qui veut se projeter. Il cherche son coéquipier. Ça peut être extrêmement dangereux. Oui, mais c'est mal fait, c'est mal joué cette contre-attaque. Il y avait beaucoup mieux à faire. Umtiti qui soulage sa défense. Alors, que va-t-il faire? Il y a du mouvement. Pogba! Ça passe à quelques millimètres à droite.
Et je crois que le gardien sait qu'il n'était pas sur la trajectoire. Pogba qui a un peu d'espace. Ballon perdu, c'est dommage. Rafinha. Sergio Busquets. Oh, Luis Suarez. Il n'arrive pas à se rapprocher dans la profondeur. Quelle fait du bien cette interception. Valencia. La fin de Sadia. Le ballon s'en touche. Et voici Alex Vidal. Oui, oui, il était hors jeu. Effectivement, mais il ne part pas dans le bon tempo. Un petit manque de concentration quand même. Un arrêt de jeu, le changement peut maintenant s'effectuer. Tout lui a réussi aujourd'hui, un match presque parfait. Il a bien mérité d'aller se reposer sur le banc. Bah écoutez, il a fait son match, il peut être content de lui. Ça va vite. Il choisit la profondeur. Parfaitement piqué. Super timing à la limite du hors-jeu. Messi. Il reçoit le ballon. Le ballon dans la surface. La tête. Et c'est le but. 3 buts d'avance. L'affaire semble être pliée maintenant. Il était surveillé de près, mais ça ne l'a pas empêché de marquer. Quelle puissance chez ce joueur. Pourtant, la défense a fait tout ce qu'elle a pu. Mais il est inarrêtable. C'est reparti, le score est maintenant de 3-0. Alex Vidal. Iniesta. Rakitic. Oh, Luis Suarez. Oh, c'était engagé, mais pas de faute. Ça manque de soutien. Va-t-il en profiter? Dommage, c'est intercepté. C'est osé. Alex Vidal. Messi. C'est un peu brouillon en ce moment. Alex Vidal. C'est joué long vers le poteau de corner. Martial. Et ce ballon sur l'aile. On joue sur l'aile, il est servi. Dans la surface. Allez jusqu'au bout. Il y a danger. Carrick. Mkhitaryan. Ça manque un peu de solution. Non, ça ne passe pas aujourd'hui. Bon. La frappe. Et la puissance y était, mais pas la précision. On sait de quoi il est capable. L'équipe entière tourne autour de lui, c'est clair. À la limite, l'équipe joue pour lui. L'arbitre revient à la faute et décide de l'avertir. Il progresse encore. Dans l'espace. L'arbitre siffle, le match est terminé. C'est une entame parfaite dans cette phase de groupe où le premier match, on sait, donne souvent le ton pour la suite. Que retenez-vous de cette rencontre? Vous savez, c'est parfois compliqué d'être prêt physiquement et mentalement dès le début de la phase de groupe. Mais ils ne sont pas tombés dans le piège.